Bonjour mes amis et bienvenue à la bibliothèque de Madame Rizzo. Aujourd'hui, on va lire Souris, tu viens au cinéma par Laura Numeroff et les illustrations de Felicia Bond. Si tu emmènes une souris au cinéma, elle voudra du maïs soufflé. Une fois qu'elle aura son maïs soufflé, elle aura envie d'en faire une guirlande pour décorer un sapin de Noël. Tu devras donc aller acheter un sapin. Sur le chemin du retour, elle verra un bonhomme de neige devant la maison des voisins. Elle voudra en faire un aussi. Elle réclamera alors une carotte pour lui faire un nez. Une fois le bonhomme terminé, elle décidera de construire un phare. Elle te demandera de l'aider. Puis, elle préparera plein de boules de neige pour faire une bataille. Après avoir joué si longtemps dehors, elle aura froid. Elle voudra rentrer et se pelotonner bien au chaud sur le sofa. Elle te demandera une couverture douce et moelleuse. Elle s'enroulera dedans pour écouter des chansons de Noël. Il faudra alors trouver une station de radio qui joue de la musique de Noël. La souris se mettra sans doute à chanter à tue-tête. Les airs de Noël lui feront penser au sapin de Noël et elle voudra fabriquer des décorations. Tu iras chercher de la colle et du papier coloré. Elle te demandera aussi des paillettes. Une fois les décorations prêtes, elle les accrochera dans le sapin. Puis, elle reculera de quelques pas pour admirer son travail. Elle se rendra alors compte qu'elle a oublié sa guirlande en maïs soufflé. Comme elle voudra absolument en faire une autre, elle te demandera du maïs soufflé. Et il est fort probable que si tu lui donnes du maïs soufflé, elle te demandera de l'emmener au cinéma. La fin. Merci d'avoir écouté. À la prochaine, mes amis.